Salut à tous, c'est Dacha de la Jason Fishing Team. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Jules. Donc on va vous présenter nos coups de cœur de la marque K-Tech. Donc tout d'abord moi je vais commencer avec les Sumi Impact. Donc on les a en 3 pouces 5 et en 2 pouces. Voilà. Donc en couleur bleue. Donc ça les 2 pouces j'utilise plutôt pour la truite. Et donc les 3 pouces 5 en couleur blanche, blanc nacré, avec des paillettes. J'utilise plus ça pour la perche et les petits brochets en fait. Donc franchement les 3 pouces 5 on peut prendre même des belles perches avec. Voilà. Donc pour ce qui est des présentations, elles sont faites. Je vous présenter d'abord le 3 pouces 5. Voilà, donc c'est un leurre avec de l'attractant celui-là. Donc il possède un petit trou pour passer un texan si on en a besoin. Donc la particularité de sa leurre c'est qu'il a un corps annelé. Donc en fait on pourra ajouter de l'attractant si on le veut. Et donc celui-là c'est le slim, c'est-à-dire que en fait il est fin, donc il va avoir une meilleure nage dans l'eau. Et on va donc il va avoir une plus grande amplitude en fait dans ses mouvements. Et donc comme vous pouvez voir c'est extra soft, c'est-à-dire que le leurre est très très souple. Donc ces leurres ils sont faits avec du sel. Et donc ce sel aide à faire mieux couler le leurre. Donc voilà pour le 3 pouces. Donc le 3 pouces on a pris des très belles perches avec, le 3 pouces 5 pardon. Maintenant on va passer au 2 pouces. Voilà. Donc ce 2 pouces, si vous nous suivez sur notre page Facebook Jason Fishing Team, vous avez dû en entendre parler. J'ai pris une superbe Fario de 35 avec. Donc voilà, pareil. Donc lui c'est un attractant squid il me semble, c'est ça. Donc calamar c'est-à-dire. Donc en bleu il est vraiment super. On voit qu'il y a des petites paillettes et tout, c'est super. Voilà, donc maintenant on va passer au Easy Shiner avec Jules. Je vous retrouve pour la session de pêche, à plus. Donc maintenant on va vous présenter donc toujours la même marque qui est Tech. Donc cette fois c'est un autre modèle de leurre, c'est les Easy Shiner. Donc là j'ai deux paquets, on en a en 3 pouces et en 4 pouces. Donc on en a, premièrement je vais vous présenter ce leurre. Donc on va sortir de la boîte pour vous montrer à quoi il ressemble à peu près. Donc c'est un leurre très profilé. Voilà, donc on va pouvoir mettre des petites têtes plombées dessus. Ils sont assez très soft aussi, donc très fins. Je veux dire très fins, ils vont avoir une très grande amplitude de nage dans l'eau. Donc c'est ce qui fait toute la qualité de ces leurres. On a aussi des nervures en bas, en haut. Enfin, on peut le monter aussi sur un texan. Donc là, les deux paquets que j'ai, ils ont de l'attractant squid très fort. Donc ça va être vraiment un atout de ces leurres. C'est que quand par exemple on va le poser sur le fond, le poisson va venir tout doucement. Et là c'est vraiment ce qui va déclencher la touche. L'odeur que va venir au poisson, ça va vraiment l'énerver et déclencher les touches. Donc lui on peut l'utiliser pour des belles truites, parce que 3 pouces pour des truites ça peut passer assez facilement sur des truites de 25 à 35 cm. On peut également l'utiliser pour les perches. Très bon pour les perches et tout ce qui est petits poissons, petits brochets, black bass, tout ça. Donc ça c'était coloris blanc nacré avec des paillettes comme vous avez pu le voir. Maintenant on passe sur des 4 pouces. Voilà, donc on augmente un peu en taille pour passer plus sur des poissons sur le brochet cendre. Bon, je dis pas que des grosses perches peuvent pas taper dessus hein. Bien sûr des grosses perches vont pouvoir taper dessus. Donc là on a marron au-dessus avec des paillettes et plus transparent, translucide en dessous. Donc là pareil on peut voir sur mes doigts ils sont tout gras. C'est dû à l'attractant que ces leurres contiennent. Donc dans les nervures il va y en avoir très énormément de cet attractant. Donc là pour les cendres cette taille elle est extra. Là, je vous le conseille vraiment. Voilà. Donc voilà, là j'ai monté mon swimming pack. Donc comme on peut voir on est dans une petite mare en fait. Où on met des poissons en attendant de pouvoir les mettre dans un lac. C'est des poissons qui ont été sauvés de la mort on pourrait dire. Et donc en fait là j'ai monté ce Swim Impact. On va voir si sur des perches ça peut marcher. Donc on vous a pas parlé tout à l'heure, mais à peu près le prix de tous ces leurres, chaque paquet tourne autour des 10€ minimum. Et ça va jusqu'à 12 suivant vos détaillants. Voilà, bon allez maintenant on passe à la session de pêche, enfin au test des leurres. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à plus. Thank you.
Ah, attends, ah, vas-y, ferme. Swing impact de pouce. Vas-y, petite photo. Perfect. Allez, release. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, tu peux bien sûr la liker et la partager si elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est déjà pas fait. Et bien sûr, va voir le site de nos deux partenaires, celui de Pêchemaster et celui de Kenji Tackle.